Dans les capsules précédentes, on a vu que lorsque c'est moi qui arrive à la maison, disons que les chats ont un accueil un petit peu moins dithyrambique qu'avec ma conjointe. Vous avez été plusieurs à nous demander pourquoi il en était ainsi, donc voici une petite capsule sur quelles sont les raisons comportementales derrière tout ça. La première raison, c'est que moi, j'arrive jamais à la même heure, donc les chats ne savent pas vraiment sur quel pied danser. C'est... C'est parce que mon amour... J'ai des cours de Zumba tous les soirs de la semaine, fait que j'arrive pas nécessairement à la même heure. Et comme c'est moi qui s'occupe de l'épicerie et moi toute seule, ben les chats, ils savent pas à quelle heure m'attendre. J'arrive à des heures différentes, fait que non, c'est pas ça mon amour. Ils t'accueillent toujours de la même manière, pareil? Absolument, ça n'a rien à voir l'heure à laquelle je rentre. L'autre raison, c'est bien sûr, comme j'arrive souvent deuxième, ben je retrouve souvent Josine comme ça avec les chats, donc leur besoin affectif ou d'attention est déjà comblé d'avance, donc ils viendront pas me voir pour ça. Mon amour, c'est parce que ça arrive de temps en temps que tu rentres le premier, oui. Et quand moi j'arrive, ben les chats viennent tous me voir comme s'il n'y avait pas personne à la maison. Ok, on va couper ça en montage. L'autre chose, vous l'avez vu dans la vidéo, lorsque Josine entre à la maison, bien, elle prend le temps de flatter chacun de nos quatre chats. Moi, malheureusement, j'ai mal au dos, donc c'est difficile pour moi de me pencher pour flatter chacun des chats et leur donner ce renforcement positif-là. Mon amour? Oui? Moi aussi, j'ai mal au dos. Oui? Et moi, en plus, j'ai des bursites et des tendinites chroniques aux deux épaules, ce qui fait qu'en termes de douleur, je pense que je remporte peut-être la palme. Mais malgré tout, à tous les jours, je suis prête à sacrifier mon bien-être physique pour le bonheur de nos minous. Ok, on va couper ça aussi. Ok, une des principales raisons pour laquelle Josine est bien accueillie, c'est que pas longtemps après qu'elle soit arrivée, elle va normalement donner la pilule à deux de nos chats qui doivent avoir de la médication. Et évidemment, on a fait ça en renforcement positif. Regardez bien comment ça se passe. Mio, pilule! On voit que c'est vraiment ça la raison, n'est-ce pas? Alors la vérité se trouve pas mal alentour de ça. C'est une multitude de facteurs qui font que Josine rapporte plus au chat lorsqu'elle entre à la maison que moi. Donc, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, Josine, c'est la bosse. Et pas juste des chats, de la maison aussi. Yes, sir.